tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc en premier, il y aura déjà cette dégustation là qui va arriver demain. Donc, je me suis trompé dans la vidéo que dans le calendrier d'aujourd'hui. Demain, il y aura le calendrier d'aujourd'hui plus cette vidéo. Et aujourd'hui, je mettrai une petite vidéo aussi pour le calendrier. Donc aujourd'hui, nous sommes... ce ne sera pas le calendrier, ce sera la dégustation des papillotes numéro 2. Nous avons 3. Nous avons un vert, un rose du noir. Ah non, il y a du vert. Il y a du jaune. Donc c'est pas du chocolat blanc. C'est du chocolat normal. Du chocolat noir. Donc j'ai pas tout sorti parce que vu que c'est les mêmes. Du coup, on a besoin du paquet. C'est parti avec cette vidéo et on voit vraiment pas le sapin. Hein. Voilà. Voilà. Il est tombé. C'est parti avec cette vidéo. Il y a 3 papillotes. Du vert. Du orange. Et du violet. Du rose au violet, donc pas du tout. Donc c'est parti avec cette vidéo. Donc nous sommes un peu le soir, nous sommes 21h43, on fait déjà cette vidéo là, ici un peu plus haut. Voilà, et on va commencer par le... la praline. On va commencer par celui-là. Donc je vais vous lire. Praliné sur une robe. Une robe de chocolat noir. Robée. Alors, praline de chocolat noir. 70 de généraux éclairs d'amandes caramélisés et croquants. Je crois que c'est pas les mêmes, ça. Non, c'est plus. Non. Donc, voilà. En fait, on va goûter. Je déteste le chocolat noir. C'est un peu que je déteste. Donc voilà le chocolat noir qui est ici. Ça fait un peu comme les feux au rocher. Par contre, c'est une chose, on peut pas voir l'intérieur parce que je crois que c'est beau là. C'est parfait avec. Je suis pas fan du chocolat noir. Apparemment c'est un peu bon pour la santé. Mais je suis pas vraiment fan du chocolat noir. Parce que c'est pas bon et enfin les personnes ont, j'aime bien le chocolat noir mais pas bon. Donc c'est parti avec 2 papillotes. On va commencer par celui-là, praliné. Donc c'est tout des pralinés hein. Sous une robe de chocolat au lait parsemé d'éclairs de riz soufflé croustillant. Donc non celui-là. Donc c'est parti.
À l'intérieur, c'est pas noir, c'est noir normal. Donc, je vais essayer de manger sans l'intérieur. Je crois qu'il y a du riz à l'intérieur. C'est marqué. Regardez. Du riz à l'intérieur. Et à l'intérieur, nous avons un petit chocolat qui est mieux. En cela, je le valide. Là, je valide parce qu'il n'est pas vraiment chocolat noir, non noir, le chocolat normal. Donc, celui-là, je valide. Et puis, il y a plus de goût de chocolat que le chocolat noir. Je suis pas fan du chocolat noir. Donc, c'est parti avec la dernière, du vieux lait praline sous d'une robe, chocolat au lait. Relevé d'éclairs de noisettes caramélisées croquantes. On va goûter. On va goûter. Alors, ça fait comme les frais rochers à l'intérieur. Comme les petits frais rochers ici. Et à l'intérieur. C'est plus bon. À l'intérieur, il est plus bon. Regardez, à l'intérieur, il est plus bon. Alors celui-là, je valide aussi. L'autre, c'est pareil, je valide aussi. Donc celui-là, il est plus bon. Donc voilà, cette petite vidéo dégustation des papillotes est finie. Donc c'est pas les vrais, c'est pas les papillotes d'avant. Mais en fait, les papillotes d'avant, ils étaient un peu plus ronds. Il y avait du rouge, du gris clair et tout. Ça, c'était bon. Donc le plus que j'ai aimé, c'est celui-là et celui-là. Le plus que j'ai moins aimé, c'est le vert parce qu'il n'était pas vraiment ouf et tout, vu que le chocolat noir est pas bon. Donc voilà. Donc merci de regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo dégustation. Donc la prochaine sera pas une dégustation des papillotes parce que maintenant il est vraiment fini dégustation de papillotes, vu que il y avait une vidéo là et deux vidéos qui est sortie dans la vidéo et tout. Vu que je suis pas trop fan du chocolat, à part le Mika, pour calendrier et tout. Vu que j'aime pas, enfin vu que je suis pas vraiment fan du chocolat, je peux faire mieux du chocolat blanc, à l'intérieur du blanc et tout. Donc il y aura peut-être une autre dégustation dans les mêmes papillotes, mais pas dans les mêmes, peut-être pas dans les mêmes papillotes, ou peut-être pas dans les autres et tout. Peut-être du chocolat blanc, mais pas les mêmes marques et tout. Donc voilà, et le chocolat en fait, le chocolat vraiment que j'ai mangé et tout. Bon, je fais une petite dégustation comme ça, mais j'aime pas trop le chocolat. Bon, faut dire la vérité, hein. Je suis pas trop fan du chocolat, à part le Mika. Le Mika, ça va. Donc, je m'arrête là avec les petits papillotes. Peut-être qu'il y aura peut-être une petite papillote pâte d'amande. Peut-être, il faudra qu'on en trouve. La prochaine, c'est une pâte d'amande. Mais le chocolat, il n'y aura plus de chocolat, il y aura peut-être des pâtes d'amande et tout. N'hésitez pas à vous abonner et mettre des pouces bleus. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et puis demain, il y aura une vidéo plus le calendrier de l'Avent. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et mettre des pouces bleus. Et puis, passez des bonnes soirées. Et puis,
demain pour le calendrier suivant. Et bonne soirée, un beau week-end et à très bientôt pour les autres dégustations. Maintenant, ce sera papillote, pâte d'amande. Et à très bientôt.